Salut, salut, bonsoir, à l'arrivée surprise, j'espère que tout va bien, je commence dans 2 minutes, si ça va bien, on va parler de la céramique de Bizen, donc la céramique japonaise, donc encore 2 petites minutes d'attente, à tout de suite. En attendant, vous pouvez en parler autour de vous, hein, le temps que j'arrive. Allez, ouais, 1 minute 30. Ouais, tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer sur la céramique de Bizen.
Le petit point culture du lundi. Bon, j'avoue, 19h. Donc c'est parti, je vous promets, hein, on ne prend pas la tête, on fait quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple. Parce que l'idée, c'est que ça reste compréhensible par tout le monde. Donc voilà, juste, je mets juste une petite image parce que je me rends compte que j'avais oublié. Bon, comme ça, je fais ça caché. Sinon, je 2 minutes parce que si je mets pas cette image, ça rend pas comme il faut. Vous allez voir. Donc la céramique de Bizen, je peux mettre d'ailleurs. Je mets pas la caméra, ça va pas le faire. Hein. Vous risquez pas de me voir. La céramique de Bizen, c'est vraiment une céramique qui est hyper intéressante. Vous allez voir. Parce que c'est une céramique dont on, quand on aime le Japon, forcément on connaît. Est-ce qu'il est quand même sur la bonne pour voir ma tête. Surtout, je vais vous montrer un objet en fait de la céramique de Bizen. Le mec qui fait autre chose avant de lancer le live, donc c'est pas très très bien. Paf. Ouais, le démarrage, c'est toujours un peu. Mais vous m'en voulez pas. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, si je présente pas mes slides, ça va pas le faire. C'est mieux. Oula, par contre, je suis à 15 km. Très souvent, hein, ça, il faut vraiment que je règle ma caméra parce que souvent, quand je lance les lives, je suis à 15 km. Vous allez me dire, vous en foutez. Si, je vais un peu sur ma trombine parce que je vais quand même vous remonter la petite céramique que j'avais. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, excusez-moi pour ce financement un peu tardif. C'est pas grave, 18h45, ça va, 19h02. Salut Kaylana, bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc petit topo, ça a été la journée, avant qu'on parle de céramique. Ah, ça j'aime, Bah écoute, c'est cool, parce que moi aussi ça me plaît. Le sujet de la céramique de Bizen. D'ailleurs, je me rapproche. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Non? Tu me dis si tu le sens. Enfin, vous me dites si vous m'entendez bien. Je ne bouge pas. Correctement, c'est bon. Alors, en tout cas, vous me faites signe si vraiment vous voyez que j'ai un peu baissé la sensibilité de mon micro. Ah ouais? T'as découvert le Japon cet été? Eh ben écoute, j'ai découvert. Ah, la Japan Expo! Donc, ouais, justement, la Japan Expo, je trouve que c'était vachement bien. Je vais en parler 2 minutes d'ailleurs après parce que le petit cadeau que j'avais fait un unboxing d'une petite céramique qui m'a été offerte justement par la région de Bizen. Et donc, on va en parler effectivement de Japan Expo. C'était vraiment très très bien tout le pôle artisan qu'ils avaient fait. Petite question sur la musique, est-ce que c'est pas trop fort? Parce que moi, je m'en rends pas compte, je l'ai dans mon casque le fond, mais. Si vous pouvez juste me dire si la musique est pas forte, ce serait top. Bon, moi, je vais baisser parce que j'en ai un peu plein les oreilles. Mais non, c'est bon, top, merci. Donc ouais, pourquoi je fais des topos aussi sur la série? Alors déjà, je sais pas si... Bon, je pense que tous ceux qui tombent sur ce live, peut-être par hasard, juste me présente en 30 secondes. Kogei-san, je suis spécialiste parce que c'est mon métier en art japonais et coréen. Mon grand dada, c'est les arts décoratifs. Et notamment les céramiques. Et l'idée, c'est de faire. Donc là, j'ai sujet toutes les semaines. Je mettrai le planning parce que le planning, je l'ai posté sur Twitter. Il faut que j'arrive à bien le caser sur Twitch. Je fais un live tous les jours, 18h45. Là, maintenant, je me cale. 18h45, 19h, on commence. Et avec un sujet où je présente une technique, en l'occurrence des céramiques, une œuvre d'art. J'ai un objet. Je vais faire aussi un petit focus sur les bouquins d'art. Bref, plein de sujets différents. Et ça, c'est tous les jours. Donc, c'est vraiment l'introduction express. N'hésitez pas si vous avez tous des questions entre temps. C'est fait pour ça. Et donc, aujourd'hui, ouais, céramique de Bizen. Et ben, c'est top que tu me dises que, Kaylana, que tu aies découvert ça à Japan Expo. Parce que, oui, la Japan Expo a en tout cas offert un bel espace à l'artisanat. Alors, après, il y avait du pour et du contre, je trouve. Mais parce que ça a été fait, en fait, tout l'espace artisanat de la Japan Expo avait été pris par un annonceur, en tout cas un groupement privé,
qui, je trouve, mettait à disposition de l'artisanat, mais c'était pas forcément de l'artisanat. Il y avait certes de la céramique, il y avait du verre, mais je trouve qu'il y avait des pièces qui étaient un peu inaccessibles. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait quand même des trucs. Dans l'artisanat japonais, il y a tout. Hein. Il y a des choses accessibles comme il y a des choses, des prix, les vraies pièces qui sont de l'artisanat de luxe, mais je dirais ultra luxe. Hein. Et je trouve que c'est un peu dommage de présenter certaines pièces sans qu'il y ait d'explication. Alors moi, c'était plus clair, c'était facile pour moi, mais moi, notamment, j'ai essayé de dire, tiens, j'avais essayé de faire un live, des vidéos, et c'est vrai que les Japonais sur place avaient du mal à discuter. C'est tout. Et puis, ou osaient pas. En fait, c'était plus qu'ils osaient pas parce qu'ils avaient peur, comme ces salons, stands, beaucoup de monde, des pièces à 500 000 euros. Bon, voilà, ils étaient un peu... ils n'étaient pas trop demandeurs. En tout cas, il y avait bon, quelques gens qui étaient plus dispo pour parler. Et bon, bref, tout ça pourquoi ? C'est que je me suis dit, bah, c'est bon, au-delà de la chaîne, le sujet que je voulais faire depuis un moment. C'est vrai que je trouve que c'est... En tout cas, j'essaye de donner des billes de lecture, vous faire comprendre un peu ce que c'est. Alors après, évidemment, on pourrait en faire des tartines et des tartines, mais l'idée d'expliquer comme la céramique de Bizen, vous montrer quand même dans les grandes lignes ce que c'est. Je vais remontrer le petit objet là, qui m'avait été offert par, par la région de Bizen. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et c'est vrai que la céramique de Bizen, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître si on aime les arts décoratifs. Où j'ai mis ma petite image 3, j'ai cru que ma trombine était plus bas, plus haut. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous arrivez à bien voir les céramiques. Mais ce que je veux dire, c'est que la céramique de Bizen, c'est dans le monde de la céramique japonaise, c'est vraiment, je dirais, il y a 6 centres historiques quoi, de céramique. Ça, on va les voir progressivement. Mais la céramique Bizen, c'est à Okayama. C'est vraiment un des centres historiques au Japon. Ce qui ne veut pas dire que toutes les céramiques, hein, alors quand je parle de céramique, ça va être travail de poterie, hein, aussi bien, on va en parler après, mais ça peut être des bols à thé, ça peut être des petites... tout le service, je dirais, pour le saké, ça, il y a des assiettes, il y a des plats, donc vraiment, on va dire qu'il y a tout l'attirail, la poterie et de la céramique, et c'est vrai que la céramique de Bizen, c'est très particulier par son style et par sa couleur, donc quand vous allez voir, je vais en parler après, une céramique en l'occurrence qui, vous allez voir, parce que un peu brune, on tire entre le rouge, le roux, le brun, c'est Bizen. Voilà. Et c'est toujours des très très belles créations. Il n'y a pas une création qui ressemble à une autre, puisqu'on va voir que toutes les pièces sont uniques. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cette, je trouve, de cette céramique. Et si vous avez la chance d'aller au Japon, Okayama, tiens, je... Bon élève, je vais essayer de vous montrer Okayama où c'est. Toujours mieux de se projeter. Tac. Okayama qui est donc une... J'écris Okayama. Et normalement, je vais basculer Google. Je vérifie juste Google parce que... Voilà. Donc, merci Google Maps. Okayama, c'est la ville d'Okayama. Mais la région, en fait, Bizen, quand on parle de Bizen, c'est vraiment aujourd'hui ce coin-là qui s'appelle la ville Okayama. Et attention, la céramique... C'est la région. C'est-à-dire qu'il y a plein de céramistes, ils ne sont pas tous à Okayama. Non, vous avez des petits patelins à côté, vous avez des céramistes partout. D'ailleurs, c'est ça aussi, entre guillemets, la problématique pour se rapprocher, mettre en avant des artistes, parce que beaucoup des artisans, j'en ai parlé, je dirais deux mots de ça après, quand on veut mettre, par exemple, ici en France, promouvoir, faire une expo, faire une... un gros projet en tête, et on commence petit à petit à faire ça, mettre en avant les artisans, comme ce que fait bon, la partie Japan Expo, mais le faire vraiment en mode un peu convention d'artisanat. En fait, il y a des artisans qui sont tous reliés, aussi bien pour Bizen, mais les autres patelins, c'est pareil, à des grands centres, soit des boîtes privées, qui communiquent, et donc on peut plus facilement rentrer en contact avec eux. Et puis, il y en a donc un peu comme une coopérative, quoi. Et puis après, vous en avez plein, un peu comme en France, finalement, où il y a plein d'artisans, des céramistes, et c'est aussi valable pour le bois, pour bref, toutes les techniques d'artisanat, des gens qui ne sont pas, en fait, forcément liés à une boîte qui va gérer leur com, qui va gérer Internet. Bon, c'est-à-dire que les Japonais avec Internet, ils ont encore du mal. Comparé à la Corée. Donc c'est vrai que vous n'avez pas tous les céramistes, ils ne sont pas tous sur Insta, ils sont pas tous... Donc c'est vrai que pour trouver des petites pépites, eh ben, il faut y aller. Donc tout ça pour dire que si vraiment vous allez au Japon, bon déjà dites-vous que Bizen, je dézoome, hein, attention les yeux, c'est peut-être un peu trop dézoomé, Okayama, Hiroshima, là on a Osaka, Kyoto, donc voyez-vous, vous pouvez traverser le pays, si vraiment vous aimez l'artisanat, ça vaut vraiment le coup de faire un stop à Okayama.
pour aller voir les Eramis, voir, voir Bizen si vous, armez, vous avez vraiment la chance. Parce que je rappelle que avec le Shinkansen, hein, vous pouvez partir de Tokyo. Tokyo, vous pouvez faire du Tokyo-Hiroshima avec le JR Pass. Vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez faire des stops. Donc si vraiment vous avez l'intention d'aller au Japon, vous aimez l'artisanat. C'est sûr qu'on ne pense pas tout de suite à Okayama. On va surtout faire des stops à Kyoto, Osaka. Hop, on va aller voir peut-être Hiroshima. Et ben franchement, ça vaut le coup quand même de s'arrêter dans ce patelin qui est quand même bah, historiquement le coin de la céramique au Japon. Donc la céramique Bizen, pourquoi c'est un des coins hyper importants? Je baisse la musique parce que j'en ai vraiment plein les oreilles. Les fours de Bizen, en fait, ils ont... ça date à peu près il y a plus de 1000 ans, donc j'en parle après, mais 6e siècle, ça, ça remonte. Ouais, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Japon, dans chacune des régions, chaque région a un peu développé sa, ses techniques, ses techniques d'artisanat. On a des coins qui sont plus... je pourrais remontrer d'ailleurs une carte là-dessus, parce qu'il y en a une qui était très bien faite. On montre les régions, après c'est un petit peu grossier, mais... on a les coins où c'est la fabrication de la céramique, on a d'autres coins où c'est plutôt les lames de sabre, on a d'autres coins où c'est plutôt les lacs, etc. Après, des régions comme Bizen sont un peu à double facette, parce que Bizen, il y a cette création de la céramique, très naturelle, et ça je vais en parler, et aussi la création du sabre, et c'est là-dessus, on va essayer, nous, enfin moi je vais essayer de promouvoir ça aussi ici en France, la création des lames de sabre Bizen. Qui sont aujourd'hui moins connus que la céramique, mais voilà, c'est aussi un truc à connaître. Donc, Bizen, les fours, c'était, voilà, il y a plus de... Maintenant, ça fait quand même un moment que ça existe, et ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on est sur des techniques qui, c'est ce que je mets ici dans les slides, c'est que c'est riche, en fait, la terre de ce patelin autour d'Okayama, c'est une terre riche en fer rouge. C'est pour ça que la céramique, vous allez la voir... Comme je disais, de couleur brune, ouais, orange, je ne sais pas si ça passe bien sur l'écran, mais un petit peu brune. Vraiment, on est sur un panel de rouge, roux, brun, marron. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique Bizen. Et puis, il faut retenir aussi qu'il n'y a pas de glaçure. Donc, si vous connaissez un peu la céramique, la glaçure, c'est quoi? C'est le côté un petit peu brillant que vous avez sur les céramiques. Je vais faire simple, hein, les porcelaines ou les trucs que vous trouvez aujourd'hui dans le grand commerce. La glaçure... Bon, pour ceux qui font de la céramique, vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce côté un peu, cette surcouche qu'on a, qui est un peu brillante, que vous avez sur les céramiques. Bizen, il n'y a pas de glaçure. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut retenir. Si vous voyez une céramique, bah, comme ici, hein, par exemple, vous voyez que c'est mat. Alors, ça, entre guillemets, ça brille un peu avec la lumière, mais c'est des... ça aussi, c'est que c'est mat. Donc c'est des jolies pièces. Moi je trouve, j'aime beaucoup parce que c'est des pièces qui je trouve intemporelles, c'est à dire que vous aimez le design j'en sais rien, scandinave, français, vous ayez des illustrations, c'est toujours, alors vous faites pas toute une déco avec des céramiques, vous, c'est sûr, vous n'allez pas vous faire que des céramiques Bizen, mais je trouve que c'est des petites pièces qui s'ajoutent et que vous pouvez utiliser, vous servez le thé, je sais pas, si vous bossez avec un petit peu de thé, je trouve que c'est vachement cool, vous allez voir la petite tasse là. Le petit bol à saké, c'est hyper agréable d'avoir un petit bol comme ça. Vous savez qu'il y a un artisan qui a travaillé et je trouve que c'est très brut en fait comme céramique. Mais quand je dis brut, c'est pas le côté négatif, c'est plutôt ce que je mets en, que j'ai essayé de mettre là en une phrase, c'est synonyme, c'est simplicité, humilité, naturalité. Alors naturalité, c'est qu'on fait vraiment ressortir la nature dans la céramique. Voilà, c'est ce côté-là. Et le côté brut, c'est ce côté, comme je le mets aussi en dessous, le côté wabi-sabi. Peut-être un truc là-dessus, hein, ce wabi-sabi, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise un peu tout le temps, on ne sait pas trop le pourquoi du comment du wabi-sabi. Dans les grandes lignes, c'est la nature, le côté imparfait, éphémère de l'objet, et c'est vraiment ce qui je dirais, dénote du wabi-sabi. Je regarde juste, parce qu'il y a de musique derrière, donc il y a un petit son, quand même, petite ambiance, hein. Juste pour revenir aussi sur l'histoire de Bizen, donc j'ai dit que ça remontait quand même au 6e siècle, hein, donc c'est pas tout jeune. Par rapport à ça, ce que je vous ai mis, c'est que ça remonte en gros, en tout cas, il y a vraiment le développement à partir de Momoyama. Momoyama, c'est le 16e siècle, où il y a eu le maître de thé, donc d'un grand, je pourrais faire un petit topo d'histoire, mais d'un grand, du seigneur, c'est n'importe quoi, disseigné. Rien, bravo, j'ai tapé comme un Google, dit du seigneur,
C'est mes doigts des fois quand je tape trop vite, ding, 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 le Y. Toyotomi Hideyoshi. En fait, Toyotomi Hideyoshi, il avait un maître de thé qui s'appelle Sen no Rikyu. Et Sen no Rikyu, vous verrez si ça vous intéresse, d'ailleurs à ce sujet-là, si vous aimez la cérémonie du thé, Sen no Rikyu. Regardez, parce qu'il y a eu plusieurs sujets dessus. Lui, il a voulu simplifier la cérémonie du thé. C'est important de comprendre ça parce que ça, on va aussi comprendre du pourquoi il y a eu cet attrait pour la céramique très naturelle, sans chichi, le côté brut. C'est vraiment lié à ça, c'est aussi au cœur de ce qu'on connaît, quand on parle du Kogai, du Mingai, c'est aussi au cœur de ça. Quand ils ont voulu en fait simplifier le code de la cérémonie du thé qui peut être un petit peu complexe, pas vraiment accessible, et ben forcément lié à ça, on a dit on va aussi utiliser la céramique, des pièces qu'on peut facilement, qui parlent un peu à tout le monde, et des céramiques aussi, je résume, hein, mais des céramiques qui je dirais, vous font pas passer pour l'érudit, le riche, le... Voilà. Donc c'est vraiment aussi ce côté nature brute, il vient aussi de ça. Bon, là je résume un truc, un concept en deux lignes, mais il faut comprendre que ça vient aussi de cette simplification de la cérémonie du thé. Aussi en faire un petit peu plus un topo là-dessus. La céramique de Bizen, pour avancer, c'est aussi caractérisé, et ça c'est vraiment typique de Bizen, c'est d'une technique de cuisson qui est au feu de bois. Et la particularité, c'est que ça s'est fait dans des grands fours à bois, mais quand j'ai grand, c'est pas des petits, généralement on peut même mettre plus de 1000, jusqu'à 1000 pièces dans un four, donc des fois ça peut prendre... un jour, quasiment une semaine pour mettre les pièces dans un four, les fours qu'on appelle Noboligama, et je vous ai mis une photo ici des fours, où en fait les potiers vont empiler dans des cases, vont vraiment remplir le four de plein de pièces. Et comme on voit, ça peut être des bols, des assiettes, des petites bouteilles, plein de choses. Et ça, en fait, ça va être enfourné pendant... ça va dépendre, mais une cuisson peut durer jusqu'à 2 semaines. Donc vous allez voir que si vous connaissez la céramique, c'est que c'est des cuissons qui sont très très longues. 2 semaines, c'est énorme, en sachant que c'est 2 semaines à 1250 degrés. Donc il faut imaginer que vous avez un four qui est Maus, dans lequel vous avez tout un tas de pièces qui cuisent comme ça pendant 2 semaines. Et après, il faut à peu près une dizaine de jours pour pouvoir laisser refroidir les pièces. C'est aussi important, ce temps de redescente en température, il est hyper important pour que la pièce, je dirais, garde aussi toute sa spécificité, solidité, etc. Donc, faut savoir aussi dans les techniques que les poteries sont, comme je l'ai mis ici, sont toujours, en tout cas dans la plupart des cas, polies au papier et lavées à l'eau. Ça, c'est aussi une technique qui fait que derrière, vous avez, je vais en parler après plus en détail des différentes techniques, mais qu'il faut retenir que globalement, Bizen, c'est quoi? Des grandes cuissons, des longues cuissons à 1250. Le temps, on laisse refroidir. Et ensuite, voilà, on va plutôt finir la pièce. Et un autre élément, c'est qu'il n'y a pas de glaçure. Donc ça, là, je le disais en entrée, c'est vraiment un point principal de Bizen, parce que des fois, vous pouvez avoir des pièces, vous ne savez pas, ouais, ça brille un peu. Dites-vous que pas de glaçure, ça s'appelle Yakishime, quand il n'y a pas de glaçure. Et c'est clair, c'est que c'est du bizarre. Voilà. Après, je suis pas moi technique, je ne fais pas de céramique moi. Donc après, dans les techniques de tournage, de façonnage de la céramique, je vais vous montrer une vidéo après. Vous allez voir, c'est hyper intéressant de voir, mais je vais peut-être la mettre d'ailleurs maintenant. Comme ça, vous allez voir, paf. Alors, pas la carte, ça va pas me servir à grand chose, la carte. Tac. On va regarder juste la petite vidéo que je vais lancer, qui était sur... je vais couper le son parce que sinon, remarque, mettons ça comme ça, tac, sur la céramique de Bizen, vous allez voir, donc ça c'est sur YouTube, je vais vous mettre le lien après, qui est, d'ailleurs ça c'est les petites vidéos, je vais couper le son parce que sinon on va pas se comprendre, les petites vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui sont des vidéos produites par la NHK, alors c'est en anglais, mais je pense que vous pouvez mettre les sous-titres en français, vraiment sont toujours très bien, alors ils ont pas fait ça pour tout, l'artisanat, mais sur la céramique de Bizen, je trouve qu'elle est vraiment bien, ça dure 5 minutes. Alors j'avance, hein, mais je vous laisserai la regarder peut-être plus en détail, mais vous avez toujours des beaux plans dans les vidéos NHK, où vous voyez le façonnage de la pièce, je vais mettre, hop, voilà, avec la terre,
Voilà, les... On voit, c'est ça ce que j'aime bien, c'est qu'on part vraiment de la matière, on part de la terre. Et ça, c'est hyper important dans l'artisanat japonais. On ne part pas du bloc que vous achetez chez Rougier et Play. Hein. Là, là, en l'occurrence, on voit qu'il est vraiment le potier, utilise la terre de son coin, et derrière, il va aller le façonner, il va travailler la pièce de différentes manières. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent, dans l'artisanat, on l'oublie. Souvent, quand on va acheter une pièce, on oublie que c'est des pièces qui sont façonnées. Et encore une fois, je ne suis pas céramiste, j'adore regarder, mais peut-être qu'un jour j'en ferai. Je ne sais pas si vous en faites, qui regardent cette vidéo. Mais moi, j'adore enfin, la manière dont c'est façonné. Et puis, et encore une fois, c'est que même bizaine, ça peut être. Je vais vous montrer le petit bol à saké, des toutes petites pièces comme. Voilà, des pièces qui sont vraiment très très grandes. J'avance sur la manière dont il façonne. Je veux juste aller sur la suite. Tac. Où vous voyez que c'est toujours aussi en termes de design. Il n'y a pas de. Je le disais tout à l'heure en intro, c'est qu'il n'y a pas de chichi en termes de design. C'est des pièces. On comprend qu'on aime la céramique ou pas, qu'on aime. On voit que c'est des pièces qui sont faites pour être utilisées. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est pratique, il n'y a pas de décoration dessus. On va voir que la décoration, elle est liée vraiment à la cuisson. Et voilà. Donc, je trouve que d'ailleurs, hein, cette vidéo, elle sent sympa. Regardez, vous voyez, ce sont des objets d'ailleurs qui s'utilisent tous les jours. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Parce que souvent, on va me dire sur les bols à thé qu'on peut acheter même des beaux bols, hein, 100, 200 euros. Est-ce que je peux l'utiliser? Ok, il n'y a pas de glaçure. Est-ce que je peux manger dedans? Est-ce que je peux boire dedans? Ça risque rien. C'est-à-dire que. La technique de cuisson fait que on n'est pas sur une matière qui est poreuse. Vous pouvez remplir d'eau, vous pouvez remplir de saké et de ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser les céramiques de Bizen. Et ça, je vais en parler en vous montrant mon petit cadeau là qu'ils m'ont fait. Et parce que vous allez voir que c'est un truc qu'il faut. J'ai pas encore bu de saké dedans, mais je vais vous montrer. Je vous passe juste avant de vous montrer l'objet qui est là. Je vous parle juste des techniques les différentes techniques qui permettent de designer, de faire les motifs, les rendus qu'on a en fait sur la céramique de Bizen. Parce qu'au-delà du fait que ce soit une céramique en glaçure, il y a des techniques qui font que vous pouvez donner des motifs, donner un design différent. Donc je vous les montre. Sachez que de toute façon, c'est pas, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais la vidéo elle est en replay de toute façon sur Twitch et je vais la mettre de toute façon comme d'hab en replay sur YouTube, que sur Twitch c'est limité à 2 mois. Donc si vraiment ça vous intéresse, si vraiment vous voulez. Qu'est-ce qu'il me dit les marques de cordes, c'est quoi? Vous inquiétez pas, c'est en replay. Pour faire simple, et c'est bien si vous avez un apéro, vous comme ça, vous pouvez sortir aussi. Tiens, tu connais les céramiques Hidasuki. Voilà. Hidasuki, c'est une marque de cordes. Je vous ai mis les modèles, comme ça vous permet. Je vous montre là, mais vous ne voyez pas mon doigt, donc ça part. Hidasuki, c'est ça. C'est ce style où c'est fait en fait par des cordes qui sont enroulées autour des pièces avant cuisson. Je vous rappelle que les pièces, hein, elles sont foutues dans un grand four, 1250 degrés. Donc avant, le potier, lui, il sait, à la différence par exemple du raku, où le raku, c'est on va dire que c'est la cuisson qui fait le motif. Mais au départ, le potier, bon, il va laisser un peu la nature en faire. Là aussi, mais c'est un petit peu guidé. C'est-à-dire que le potier, au départ, il se dit, je veux que mes poteries, je veux que mes petits bols, ils aient tel design. Donc au départ, il va aller enrouler les pièces avec des cordes et forcément pendant la cuisson les cordes vont cramer, ce qui fait que vous voyez ça fait ce motif. Vous imaginez d'ailleurs hein, les cordes qui ont brûlé autour de la céramique. Donc ça s'appelle Hidasuki. Vous avez un autre style qui est en bas là, que je vous ai mis, qui s'appelle Kasegoma. Alors Kasegoma, goma, c'est toujours quand on parle de goma, c'est qu'il y a toujours des taches. C'est un peu le côté tache de cendre. Donc vous imaginez là pareil que vous avez les cendres du bois, parce que je vous ai mis hein, c'était du bois de pin qui est utilisé. Vous avez pendant la cuisson des cendres qui peuvent tomber dans le four, ce qui peut être naturel. Et puis vous avez, c'est assez, il y a plein d'autres exemples. Encore une fois, chaque pièce est unique. Gardez aussi en tête que c'est unique. Donc ce qui fait que vous avez ce rendu un peu comme si c'est le charbon là qui bouillonnait, enfin qui bouillonnait. Vous me comprenez. Et c'est toutes ces petites taches. Donc ça s'appelle casser goma. Je vais pas plus loin hein, dans le détail. Inazuma, foudre. Alors foudre, c'est les motifs que vous avez ici, donc ça s'appelle Inazuma, où vous voyez ces grands traits là, donc ça c'est pas des cordes, en fait c'est une réaction entre les cendres qu'il peut y avoir donc dans le four et l'argile pendant la cuisson, qui va créer des fissures et des motifs
qui peuvent avoir ce côté éclairant. J'ai trouvé difficilement des photos de bonne qualité, donc je vous montre ça. Après, c'est bien de les voir aussi en vrai. Et c'est vrai que Inazuma, je trouve que c'est vachement intéressant parce que je trouve que c'est vachement plus, dynamique, mais plus moderne. Un peu, on dirait vraiment un design comme si c'était fait un peu à l'encre, au marqueur. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant, le style Inazuma. Je serai de vous retrouver peut-être d'autres photos d'ailleurs, parce que c'est vachement intéressant. Ce qui se retrouve aussi, et là, mais je vais vous en parler après, c'est un style que là, pour le coup, qu'on trouve très souvent face au boule de riz, et c'est la slide d'après. Sur les taches, je vous ai parlé tout à l'heure, Goma, là, juste la slide d'avant, Goma. Bah, Goma tout court, tache de sésame, c'est plus réduit. C'est fait par des grains de riz et pas des grains de sésame. Enfin, un peu, mais c'est souvent des céréales en fait qui vont être collées aux céramiques pour faire ces petites taches, les petites taches blanches que vous avez ici. Donc vous voyez la différence, hop, de cassé goma, où on est plutôt quelque chose comme si c'était projeté. Vous allez avoir là, hop, le goma tout court, c'est des céréales qui sont, on peut imaginer hein, d'ailleurs, les petits grains de riz là, qui ont été collés pendant la cuisson. Donc je trouve que ça c'est aussi intéressant parce que bon là, typiquement, le potier, il les a pas posés là par hasard. Il aurait pu poser, dans certains cas ça se fait à la vite, il aurait posé parce qu'il veut aussi ce côté un peu brut, on réfléchit pas, on met les choses. Mais gardez en tête que dès le départ, soit ça peut être des commandes, soit ça peut être pour une collection, entre guillemets, le céramiste va vouloir donner ce style, ce rendu goma de tâche qui s'applique d'ailleurs après dans d'autres domaines d'artisanat parce que ça évoque en fait les tâches de visuellement les graines de sésame. Bon, cet exemple là je l'ai mis parce qu'on voyait bien les petites formes liées au riz, mais vous en avez d'autres modèles, c'est toujours pareil, je vais en montrer plein, où on a vraiment l'impression que c'est les petites formes de grains de sésame. Vous pouvez imaginer un grain de sésame que vous voyez. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça aussi, la céramique, bah, elle n'a pas toujours la même tête. Et je devrais même dire, je parle de céramique de Bizen au singulier, mais en fait, c'est les céramiques du Bizen, tellement il y a des styles différents. Et ce qui est pas mal, c'est que finalement, par rapport à ce que vous, vous pouvez aimer, déjà utilisé, ou je sais pas, en design ou en cadeau, vous avez des choix en termes de motifs, des choix très différents. Et c'est aussi tout l'intérêt de cette céramique de Bizen. Et puis, un style qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce qu'on le voit beaucoup parce que c'était clair, clairement quelque chose qui était recherché au Japon, demandé encore aujourd'hui, c'est très, très demandé. C'est cette forme, en forme de boulette de riz, on appelle botamochi, comme les mochi, où là, vous avez des petites, ça ressemble à des petites bosses, vous voyez, des bosses. Alors, c'est pas en relief, hein, mais c'est des grandes taches, et par la cuisson, par la cuisson, vous avez cet halo hein, un petit peu plus en dégradé, rouge, marron, vous trouvez, et ça, vous les avez sur les assiettes, je le modèle juste d'avant, si, qui sont très très marqués, et qui sont, c'est un autre style. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment le côté, si j'ai vraiment un ce que je préfère, c'est vraiment le style Hidasuki avec les cordes, là, je trouve que c'est... ça donne ce côté un peu plus vivant. Moi, j'aime bien le côté brut, j'aime bien le raku, donc j'aime bien le côté quand on voit que ça du feu, quoi. Donc, mais bon, voilà, c'est un style comme un autre, et puis chacun aime ce qu'il veut. Il y a un autre style, ce qui est beaucoup plus rare, j'ai malheureusement pas trouvé de photo, c'est un peu compliqué à en trouver, c'est du bizen bleu, même quand j'étais au Japon, j'en ai pas vu. C'est lié à la cuisson, sans rentrer dans le détail, c'est en gros, vous avez une atmosphère. Gardez en tête que vous avez un four qui est rempli de 1000 pièces. Donc 1000 pièces, ça fait beaucoup dans un four. Il y a des parties du four où, en gros, il y a moins d'oxygène. Donc la réaction fait que vous allez avoir une réaction chimique, fait que vous allez avoir une céramique qui va plutôt virer au bleu. Aoi, tout ce qui est Aoi, c'est toujours bleu. Voilà. Donc je vais essayer de trouver des photos, peut-être une vidéo, il faut que j'essaie de trouver ça. Il faudrait que je demande à Région Bizen d'ailleurs, qui m'a envoyé ma petite céramique là, s'ils n'ont pas peut-être une vidéo, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir ce Aoi Bizen qui est hyper rare. Donc si vous voyez une céramique mat, dans le style de ce que je viens de dire, et bleu, c'est bon, vous achetez direct, hein, c'est rare. Voilà, retenez ça. En termes de... Voilà, c'est pour ça que j'avais terminé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la céramique parce que je voulais vous montrer ça. Est-ce que vous avez déjà des petites questions sur la partie technique? Bon, attention, mon regard, ça ne regarde de quelqu'un qui travaille dans l'histoire de l'art. Dans le métier, c'est
de aussi partager et faire découvrir les céramiques, mais je ne suis pas céramiste. Donc si vous avez des questions techniques, vous pouvez me les donner, je me retournerai vers les bonnes personnes pour vous répondre. Mais est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou est-ce que vous avez peut-être vous, déjà d'ailleurs en termes de céramique, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez déjà vu ces petites céramiques? Je crois qu'Aylana, tu me disais que tu les avais vues à Japan Expo. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir chez vous ou pas? Vous pouvez m'en parler. Et parce que je trouve que c'est toujours intéressant. C'est assez atypique et c'est vraiment purement japonais, ces céramiques. Donc c'est vrai que des fois, bon, les gens vont me dire non, non, j'aime pas, je préfère les bols à thé avec glaçure. Donc chacun aussi aime ce qu'il veut. Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous dévoile, j'avais fait une petite vidéo, donc cette petite boîte, toutes les céramiques hein, sont dans des boîtes. Et je vais vous expliquer ça du pourquoi. Alors j'ai pas mis ma caméra, je vais vous la montrer comme ça. Je vous invite plutôt à regarder le unboxing de mon petit cadeau que j'avais reçu. Donc ça, c'est quoi? C'est une céramique en fait qui m'a été, je vais vous montrer, qui m'a été offerte par la région de Bizen. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler justement sur ce sujet pour mettre en avant la région de Bizen. Bon, je ne suis pas sponsorisé, hein, je le dis tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, ce sujet sur la céramique, je voulais le faire, donc c'est complètement indépendant de ça. Mais la région de Bizen, aujourd'hui, on essaye de voir comment promouvoir l'artisanat de Bizen. En tout cas, ils m'ont contacté pour essayer de voir comment on pourrait parler, notamment de la céramique, mais pas que, surtout de la création de lames de Bizen, qui sont donc les lames qu'on connaît moins, en tout cas ici. Et donc voilà, j'ai eu un joli petit cadeau de Bizen, envoyé ce qu'on m'a offert, et c'est pour ça que vous voyez. Alors, une fois, j'avais fait c'était mercredi dernier, le live sur l'objet. Pour vraiment vous puissiez, je vais peut-être me mettre en pleine poire, ça va être plus simple. Tac, la qualité par contre va pas être. Ah, ça passe pas, attendez, hop, voilà. Par contre, avec la caméra, comme je suis pas sur mon réflexe, vous allez. Merci, ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment une belle petite serre. Je suis désolé, elle est pas top net avec la caméra. Mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais faite là. Vous la voyez vraiment mieux. Et ça, c'est un tout petit bol. Hein. Un tout petit bol à saké. Ouais, par rapport à ma main, hein, c'est tout petit. Et ce qui est vachement agréable, en fait, c'est là. Hop, c'est ce côté un petit peu. Cette petite bordure aussi qu'on retrouve sur les céramiques de Bizen. Ça fait que quand vous prenez en main votre petite tasse, vous la tenez bien. Vous la tenez bien en main. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper agréable. C'est une céramique qui est très fine, d'ailleurs, en bord. Ouais, je suis désolé. Hein. Là, pour le coup, la caméra, elle me fait ma tête sur. La netteté sur ma tête, mais pas sur le. Sur la céramique. Enfin, vous voyez un peu hein, que le bord est pas. C'est un petit bord. Et c'est une petite céramique très très propre. Et comme on voit derrière, comme je disais, c'est ce côté lisse de la céramique qui est hyper agréable. Donc, c'est sans chichi. Et puis, on a ce décor. Voilà, ce décor fait par le feu dans le four qui est vraiment agréable. Et aussi, voilà, il n'y a pas de glaçure. C'est-à-dire que c'est mat. Même si vous voyez, il y a un petit brillant, mais ça c'est le brillant dû à la cuisson. Mais il n'y a pas de. On a un côté d'ailleurs plus mat. Et pourquoi je pose mon doigt dessus? C'est parce que, bon, comme ça, je suis désolé là, au niveau de la cam, vaut mieux regarder sur la vidéo où je la mettais bien en macro. C'est un petit peu rugueux, mais rugueux sans que ça vous arrache les doigts. C'est-à-dire que c'est vraiment une céramique qui vous tient, que vous tenez bien dans les mains, par rapport à, par exemple à un bol à thé, un chawan, qui sont glacurés, pardon. Où on le tient à deux mains. Voilà. Moi, je trouve que les céramiques, il faut vraiment les tenir. Et un petit bol comme ça, un petit bol, bon, ça c'est un petit bol, ça peut être un petit bol à thé, hein, pour une petite portion de thé, mais ça peut être aussi un petit bol à saké. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle pièce qui est toute mignonne et je suis tout content d'avoir cette céramique. Et oui, je vous montre aussi l'intérieur qui n'est pas glacuré dedans. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez boire dedans, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez. Pas l'utiliser parce que ça m'avait été demandé une fois, l'utiliser par exemple pour faire de l'ikebana. Sur un bureau, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez avoir une petite tige. Voilà, vous pouvez vous faire une petite pièce d'ikebana en utilisant une petite céramique. Je trouve que ça matche bien, en tout cas le bizen matche très bien aussi avec l'ikebana parce que aussi les céramiques, on oublie, hein, mais les céramiques sont aussi faites pour ça, ont été faites pour ça. Pour l'art floral, voilà. Donc je termine là-dessus sur la céramique de Bizen. Si ça vous intéresse, évidemment, bon, je vous invite vraiment à aller regarder. Je vais vous mettre le lien de la vidéo
peut-être direct dans la messagerie. Alors non, Google, ça va pas le faire. Il est où mon lien avec ma vidéo? Tac. Évidemment, je ne vais pas l'avoir. Comme ça, je vais vous mettre le lien direct, ça va être plus simple. Et d'ailleurs, regardez hein, les autres vidéos NHK. Tac. Toutes les autres vidéos NHK qui sont vraiment très sympas pour les sujets. Essayez de voir hein, si vous pouvez les traduire. Mais je trouve très très bien. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, c'est difficile après d'en dire plus. Le but, hein, c'est toujours pareil. Sur la, on a les techniques, mais chaque artisan, chaque céramiste, chaque potier va aussi avoir son style. Des formes, comme vous voyez ici, c'est des formes vraiment propres à un céramiste. Après, très globalement, je dirais que si vous allez au Japon, si vous voulez vous faire plaisir, vous allez souvent voir les tasses un peu en forme de verre. Vous voyez ces tasses un petit peu allongées, c'est des choses que vous voyez très souvent. Et puis, les petits bols à saké comme celui que j'ai. Et puis, les petits bols comme ça, c'est aussi des choses que vous voyez très souvent. Après, à l'usage, nous, en France, c'est vrai que les petites bouteilles à saké, les petites, c'est des choses qu'on utilise moins. Parce que c'est vrai que même si vous mettez de l'eau dedans, souvent le débit... Bon, c'est souvent pour faire des petits verres. Donc nous, c'est vrai qu'on a tendance à se remplir des grands verres d'eau, de rien, pour le lien. Mais bon, moi, je dis, voilà, même tes petites bouteilles à saké, c'est du coup de cœur. Ah, voilà, vous allez vous faire plaisir. Et ça peut être... en tout cas, c'est des pièces qui se mettent vraiment dans un intérieur. Pour finir aussi, par rapport à cette histoire de céramique de business, je ferai des topos hein, éventuellement sur les autres types de céramique japonaise. Après, voilà, on peut en dire plein d'autres choses. Hein. L'idée, c'est d'être le plus clair. Si vous avez des questions par rapport à Bizen en particulier, ou vous, je sais pas, en regardant des vidéos, vous avez ou un artisan que vous aimez, que je vous présente, et ben n'hésitez pas à me faire un message. Je pense à dans toutes mes vidéos, à me faire un message sur Twitch, sur Twitter, où vous voulez, avec grand plaisir pour essayer d'y répondre et de vous donner plus de billes. Je pense qu'on en parlera de toute façon de Bizen, voilà. Et puis voilà, dans la petite histoire, donc par rapport à ma petite céramique cadeau qui m'a été offerte pour information, mais c'est encore prématuré. Mais l'idée, c'est bon, moi, c'est un grand projet que j'ai avec l'association du magazine que j'ai lancé qui s'appelle Kogai, de faire une convention, en tout cas un rendez-vous régulier autour de l'artisanat qui serait un peu voilà, un peu. J'ai mon truc en tête, donc je vais pas en dire plus, sinon je vais trop en dire. Mais imaginez que c'est un truc où vous allez pouvoir découvrir de l'artisanat, vous faire plaisir, et puis surtout parler avec des artisans et qu'on vous explique aussi ben voilà, un peu ce format conférence, donc ça qui est dans les cartons. J'essaie d'ouvrir le carton. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je pense qu'on va y venir de toute façon. Et je viens de me rendre compte que j'ai ma slide qui est rôle de Manjushri depuis tout à l'heure. C'est pas du tout Manjushri puisque j'ai utilisé ma slide de l'autre fois. Pas bien. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est comme ça. Mes petites slides, évidemment, technique de cuisson, qui était bien ma technique de cuisson Bizen, c'est génial. Hop. J'utilise d'ailleurs Canva, oui, parce que je trouve que c'est vachement pratique, et je ne suis pas sponsor. Voilà, sur les céramiques de Bizen, je vous finis ici. Je vous finis quand même, avant de raconter, de partir dans tout et n'importe quoi, sur le calendrier. Le calendrier de cette semaine, alors, je suis un peu... c'est bon, je pensais que j'étais sur l'image. Calendrier de cette semaine, donc, j'essaie de faire, en tout cas de garder un rythme aussi des vidéos, parce que c'est vrai que chacun, bon, les céramiques, on va venir parce qu'on aime la céramique, ou on tombe par hasard sur les vidéos, merci pour ceux qui sont restés sur les vidéos. C'est que j'ai pas trop raconté de bêtises, j'espère. J'essaie de faire des vidéos toutes les semaines, 18h45, 19h, là c'est l'horaire, avec deux rendez-vous qui sont spécifiques plutôt pour les sorties, qui sont le mercredi à midi, donc c'est midi, midi et demi, hein. Et le jeudi, je le fais sur les sorties qui sont au Japon et en Corée. Mais sinon, tous les autres jours, c'est avant 19h. Demain, je ferai un petit topo spécifique sur... comme ça, j'en parle parce que... Sur j'ai le petit planning. Alors là, je vais parler pas que d'Ardazi, mais le Quai Branly. Voilà, on va regarder ensemble. Je n'ai pas du tout regardé, comme ça, c'est aussi la surprise. Les sorties FR, donc en France, et... le Quai Branly, donc ça je vais en parler demain. Les sorties FR plutôt week-end, etc. J'en reparlerai le mercredi à midi. Comme ça, vous pourrez, si demain vous connectez à 19h, je vous parlerai quand même des choses à voir en plus là du Quai Branly. Et puis j'en reparlerai pour les sorties du mercredi. Le mercredi soir, ça c'est le mercredi, je présente toujours un objet. Ce sera cette semaine, alors je ne vais pas présenter un objet moi physiquement que j'ai là, mais je vais vous
parler d'un objet qui est une céramique, c'est vraiment la semaine de la céramique, qu'on appelle une moonjar, c'est les vases lunes coréens, et il y en a un exceptionnel là, qui a été vendu. Je pouvais pas faire, il fallait que je vous présente cet objet qui est juste incroyable, et ça j'en parlerai. Le point matcha du jeudi midi, c'est les petites expos, c'est un petit topo d'une demi-heure de ce qu'est-ce qui se passe en Japon, au Japon et en Corée, histoire que vous soyez au courant. Le jeudi soir, une petite sélection sur un livre d'art, vous inquiétez pas, je vais pas vous casser la tête avec une sélection de livres, mettre en avant un ou deux livres d'art si vous voulez vous rendre en librairie, parce que souvent les librairies n'ont pas de fonds ou très rarement de mettre en avant des livres qui parlent d'art et d'artisanat. Et c'est le but. Et vendredi, je ferai un petit truc sur la photo au Japon. Voilà, donc un programme qui est bien. J'essaie de panacher. Si vous identifiez un sujet, s'il y a un truc qui vous plaît, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour en parler. Et donc voilà, vous savez tout. Évidemment, le soir, je ferai un petit peu de gaming parce qu'il faut quand même faire un peu de gaming sur Twitch, sinon, quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, la vidéo sera en dispo replay sur Twitch. Et je le mets direct sur YouTube. Je ferai une petite version là très courte en mode TikTok et partout. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Avec grand plaisir pour y répondre. Merci, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis bonne soirée. Et puis bon appétit parce que ça va être 19h41. Voilà. Allez, ciao, ciao. Merci, salut.